Oui, le roi est tombé dans le panneau. Tout se passe comme on l'avait prévu. Comme on l'avait prévu? Oui, c'est vrai que si on veut être tatillon, c'était ton plan. Mais moi, j'étais d'accord pour dire qu'il était super. Je dirais plutôt qu'il est infaillible. Ah non, pas si infaillible, en fait. Quoi? C'est ton neveu. Le poulet? Lui, il sait où se trouve le hamster. Et il est derrière nous, avec son copain tortue. Et, tu sais ce que je me disais? On pourrait les attendre, les surprendre par le flanc et les attaquer en mode bataille navale. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un pirate. Tâche de ne pas oublier que je t'ai embauché pour tes ailes, pas pour ta cervelle. Il est hors de question que je gaspille un temps précieux dans l'hypothèse folle dingue où le poulet réussirait à traverser l'océan. Et donc, c'est une mission que nous allons faire sous-traiter. J'ai le profil idéal pour ce genre de travail. Luther, l'ultime maillon de notre équipe. L'animal le plus impitoyable avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Si cruel qu'il a déjà tué quelqu'un simplement parce qu'il avait ronflé. Oh! Il se trouve que je fais de l'apnée du sommeil. Oui, c'est une forme très sévère. Est-ce qu'on peut faire chambre à part? Harold, mon pote, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Et ben, qu'est-ce qu'il a, le titouin, son papa?